Là, moi, j'aime mes diapositives, c'est vraiment mon soutien hein, dans la vie. Donc, c'est bien important d'avoir les diapositives. Puis, j'ai l'air un peu cyborg ce matin avec ce kit-là, mais euh, on va y aller avec ça. Donc, bon matin ce matin. Euh, merci pour l'invitation de présenter euh, mes heureux hasards que je découvre dans mon laboratoire, puis avec mon équipe qui est juste en dessous, mon laboratoire de recherche, ici à l'Université Laval. Aujourd'hui, on casse le, le mythe d'Indiana Jones. Ce n'est pas l'archéologie Indiana Jones, ça ce, c'est la fantasy. Indiana Jones, il n'a pas de GPS, il n'a pas de station totale. J'ai jamais vu avec un carnet de notes. Ne prenez pas de notes. Ce n'est pas un vrai archéologue. Archéologie, maintenant, on est dans un métier hyper inter- et multidisciplinaire. Ça veut dire qu'on a souvent une spécialisation hyper spécialisée, parfois comme moi. Moi, j'aime les bébits. Euh, Jacques m'a annoncé comme un bébitologue. J'ai une drôle de spécialisation, et j'ai dit un peu drôle, parce que euh, j'espère que vous trouvez ça amusant ce matin, qui est l'archéo-entomologie. Je ne suis pas entomologiste de formation, je suis archéologue de formation, mais avec mon équipe, on creuse dans les sacs des sols, puis on extrait des petits bibites, des fragments des bibites, puis on fait parler les bibites pour raconter le passé sur les sites archéologiques. C'est un processus un peu long et laborieux. Il faut extraire des sédiments, il faut les laver, il faut trier sous les microscopes, etc. C'est un peu un travail de moine. On est toujours isolé avec les microscopes au centre, mais parfois, on a des belles découvertes qui racontent des belles histoires. On aime des contextes qu'on trouve, nous, intéressants. Nous, on aime des latrines, parce que pour, les, pour trouver nos chers bibittes dans un contexte intéressant, il faut avoir des belles concentrations de matière organique. Malheureusement, ou heureusement pour nous, la matière fécale, ça, c'est la matière organique en maudit. C'est bien concentré. Mais les latrines parlent plein d'autres choses parce que les latrines, c'est comme, comme un piège qui parle du passé. Les gens boivent dans les, dans les latrines puis laissent tomber des bouteilles à l'intérieur. On en trouve beaucoup de bouteilles d'alcool. Donc, on a un peu les, les, les vieilles pratiques qui sont là. Qu'est-ce qu'on perd? Maintenant, c'est l'iPhone, mais dans le passé, c'était euh, le bouton, les pièces de monnaie. Donc, on en trouve plein de petites choses qui sont, euh, qui sont dans les latrines. Euh, parfois, n'oubliez pas qu'on avait euh, le déchet municipal n'était pas ramassé chaque semaine. Dans le passé, parfois, on va débarrasser des choses, trine. Donc, c'est vraiment des mines d'or pour nous en archéologie. On trouve les rejets de table, on trouve plein de sortes de choses, et moi, je trouve les insectes. Parce que dans ces couches fertiles, riches et anaérobiques, ça veut dire pas d'oxygène qui circule, on trouve des insectes. Par exemple, on a ici, sur votre gauche, ça, c'est les restes d'un insecte. L'insecte avec ce beau nom qui a l'air un peu comme un monstre, Troxcabert. Ta -ta -ta. Alors, j'ai ces trois fragments ici que nous avons identifiés au microscope. On trouve les, les petits fragments, puis on les compare avec une collection de références scientifiques. Quand nous avons vraiment un bel exemple qui vient d'une collection de références. Une chance, on les lave parce que sur le terrain, les trocs aiment rentrer et être couverts de boue, puis il faut les laver pour les faire tout beaux comme notre exemple ici. Ça, c'est la beauté pour quelqu'un de ma, ma discipline. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que c'est intéressant, trocs caber Mais Trox, c'est intéressant pour au moins deux raisons. D'abord, trocs caber ce n'est pas une espèce indigène en Amérique du Nord, ça veut dire est arrivée en Amérique du Nord lors de la colonisation, parce que les Européennes en arrivent puis on apporte plein de bibites avec nous, parce que chacune ses bibites. Hein? <laughs> Deuxième chose, Trox-Keber est intéressant parce que Trox mange la viande, la charogne. Donc, si on a des rochers de table tout pourries, ah, c'est le bon, c'est spot idéal pour Trox-Keber. Ça veut dire, avec cette niche écologique, Très spécifique, si je le trouve l'insecte, ça me parle du contexte de position. Vous avez compris l'exemple, c'est les insectes qui témoignent du passé parce que eux, avec leur niche écologique, si j'identifie l'espèce, je peux déduire qu ce qui est arrivé dans la latrine. Bon, maintenant, on va voyager autour du monde avec deux bébites que je trouve fort intéressants. Ça, on dit, ça, c'est mon, hein, dans ma, dans ma, ma spécialisation en archéoentomologie. Ça, c'était notre poster-child, notre insecte mythique, qui est la calande des graines. Un calande des graines est une espèce aussi fascinante parce que la calande ne vole pas. Les ailes sont fusionnées en arrière. Ça veut dire que la calande dépend de l'homme pour voyager autour du monde. Donc, on peut suivre ses voyages, ses mouvements, et ça nous parle aussi du déplacement de la population dans le passé. La calande est un insecte nuisible. un insecte est aussi pénible si on habitait dans le passé, parce que la calande des graines mange les céréales, le pain et la farine. Les pauvres fermiers qui avaient fait tout l'effort d'élever euh, les céréales, de la cultivation et tout ça, dans le passé, avant les pesticides, Monsanto, etc., ils ont perdu entre probablement 10 et 40 de la récolte grâce aux insectes nuisibles. C'était vraiment un gros, gros problème. Mais, comme j'ai dit, pour nous, le plaisir, c'est le fait qu'ils ne volent pas et on est capable d'étudier la présence de Cetophilus granarius dans ses voyages à travers le monde. Par exemple, sur cette carte, on voit quelques exemples de où mes collègues européens ont identifié euh, le des graines. C'est un insecte qui vient probablement du Proche-Orient à l'origine et cette association avec les céréales commençait probablement dans le croissant fertile. On a des premiers exemples dans les tempes et à travers le temps, calande, voyage et éventuellement, elle part avec... Les Vikings pour notre voyage euh, vers, euh, à travers l'Atlantique Nord. Mais parce que vous êtes toutes les personnes curieuses, vous dites Alison, le voyage, ça se fait comment Je vous explique. Probablement avec l'armée romaine, parce qu'avec les romains, il y a un empire, un empire et il faut avoir des soldats partout. Les soldats promènent, il faut faire manger ces soldats. Et les soldats dans l'armée, comme l'armée fran française ou, ou britannique, ils avaient des rations. Quelle était dans les rations du soldat? Le pain. Et le pain un peu infesté qui a voyagé avec l'armée romaine. Donc, grâce à l'armée romaine, on a, on a plein d'autres choses grâce à l'armée romaine, mais l'armée romaine aussi a aidé à faire voyager à travers le temps et l'espace la calendrine. Ça me rend plaisir pour quelqu'un en archéoentymologie. Et dans l'armée roumaine, le pain était tellement important, ils avaient des fonctionnaires où leur seule tâche dans la vie, c'était de gérer les céréales. C'était des frumentatores. Puis, ils ont regardé les greniers, ils ont mesuré la température à l'intérieur, d'éviter les feux, les infestations, parce que c'était très, très important. C'était les rations pour la population et pour l'armée. Mais ils n'avaient pas de pesticides à l'époque, mais ils avaient d'autres trucs. Donc, on peut lire les récits historiques qui disent « Oh, mais on peut tremper les lentilles dans de l'huile d'olive avec un peu de feuilles de laurier, ça devrait fonctionner pour les lentilles. Uh, » pour, uh, pour les céréales, j'ai lu que sous la pleine lune, on peut rentrer un crapaud au milieu d'un champ. <laughs> mais je ne pense pas que ça fonctionnait parce qu'on voit Cytophilus qui a voyagé à travers le monde. Donc, ils ont manqué un peu de pesticides à l'époque, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. J'ai dit que vers 1000 ans avant aujourd'hui, on a qui est rendu dans l'Atlantique Nord et elle part avec les Vikings. Puis il y a un Viking qui part pas content, pourquoi Parce que son pain est infesté avec Cytovirus. Donc on a ces Vikings qui partent vers l'Atlantique Nord et la colonisation, un épisode de colonisation, le bateau, pensez vraiment à un bateau croisière. Bateau croisière pour nos amis bébés, Buffet 24 sur 7. On a tout ce qu'il faut parce que pour partir une nouvelle colonie, ça prend certaines choses dans la vie. Et moi, j'ai tenu à montrer cette diapositive qui dit très prof. C'est important parce qu'on a tout le portrait. On a la bétail, donc on a nos petits, petits couteaux, mouchons, etc. On a les denrées entreposées qu'on va manger pour partir euh, les céréales, etc., dans la nouvelle colonie. On a aussi le ballast puis le pie, qui, éventuellement, deviennent tout infestés lors du voyage. On a même les récits où les, euh, les, les, les capitaines de bateaux disent Mais pour le ballast, pour ancrer mon bateau, moi, j'ai mis de la tourbe au fond, puis moi, j'ai fait pousser le chou pendant mon voyage. » Donc, c'était fou, ces épisodes. Et qui, dans le bateau, hein, oups oui, c'est elle est là, elle voyage. Donc, elle part vers le Nouveau Monde avec les Vikings. Donc, on peut imaginer une maison, c'est une belle maison faite de la tourbe en Groenland. Et on peut imaginer, pour ça, c'est un peu le Airbnb de l'époque. Donc, Et on sait que la fin des colonies, c'était probablement... Parce que les, les températures sont devenues trop froides. Donc, moi, pour mon petit blague, c'était aussi la route à la glace, probablement pour les bébêtes. Mais, fait intéressant aussi avec Cytophilus, Cytophilus ne peut pas tolérer l'environnement comme ici à Québec à l'année longue. C'est trop froid. Donc, quand c'est la fin des colonies, c'est la fin de Cytophilus, sauf qu'elle a été introduite euh, plus tard par les Danois lors d'autres colonisations. Pour arriver en contexte nord-américain, ça, on a ce tableau qui est fantastique, qui montre plein de bateaux. Imaginez la, pêche, euh, la pêcherie pour la morue au début du 17e siècle, 15e siècle. On avait des centaines de bateaux qui sont arrivés chaque année. C'était des Basques, des Normandes, les Anglais qui sont arrivés pour cette pêche sur les grandes banques qui étaient fantastiques. Les Anglais, ils ont vraiment traité la morue dans les petites ans, sur la terre, et il faut faire manger du monde. Donc, dans des Fortuit», dans une latrine, Yay. Uh, au début du 17e siècle, j'ai trouvé mon ami Cytophilus granarius, puis par la suite, j'ai trouvé au 17e siècle à Boston, ici à Québec, à l'île des Palais. Donc, Cytophilus granarius est une espèce, comme j'ai dit, c'est une autre espèce un peu fétiche en archéoentomologie, parce qu'on est capable de préciser ses voyages, puis ça nous parle de l'infestation, la gestion, l'économie, les régimes alimentaires et la colonisation dans le passé. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir un deuxième sac, un deuxième voyage Là, vous allez aimer ça. On est dans le Nouveau Monde. C'est froid ici. On monte encore plus en nord, au Groenland. Tache rouge sur notre carte, et on a à Cap Grenelle, tout, tout, tout au nord. J'avais un projet de recherche, une belle collaboration avec une équipe, et euh, sur ce projet, on est sur les, les terres des peuples Inuguit. Les Inuits, c'est des Inuits du nord de Groenland. Et on a beaucoup de connaissances sur ces pops. Ils ont voyagé avec les traîneaux à chien. Ils avaient une chasse, un équipement de chasse fantastique pour, euh, pour euh, la, chasse, la chasse des phoques, etc. Mais quelle était la perception de ces gens à l'époque? Les gens avaient les poux. Les poux. Mmh. Il y a trois types. Encore des espèces qui nous fascinent, moi qui me fascine, peut-être pas vous. <laughs> um, on a trois types, poux de corps, poux de tête, poux, Voilà, les, les, on les appelle les ectoparasites. Les ectoparasites sont intéressants parce qu'ils ont évolué avec nous, avec l'homme, et ils mangent une chose, le sang humain. Sans nous, pff, il n'y a pas de poux. Mais on a toujours des poux. Et on a les poux toujours. Je ne sais pas combien de bulletins je reçois de l'école euh, chaque année à cause de ça. Donc, le poux est toujours un problème. Mais le, avec la notion que quelqu'un a les poux, ça nous porte vraiment une perception. Ça nous porte un jugement. Donc, aujourd'hui, avec nos bébites, on va casser un peu ce jugement qu'on peut avoir sur les poux. Mais vous êtes peut-être tannés de, de regarder le poux. Ça fait un peu itchy ce matin. Alors, on va raconter une autre histoire liée au pouls. On a ce couple ici, Robert et Josephine Perry. Robert Perry, uh, Robert Perry était le premier homme blanc d'atteindre le pôle Nord en 1909, après huit essais. Il est arrivé avec les Inuits en utilisant un train Noachin. C'était le Neil Armstrong de l'époque. Ça fait une folie dans les médias américains, toute cette notion d'atteindre le pôle Nord. C'était fort intéressant à l'époque. Et Perry était là avec sa conjointe, Josephine. Et ils avaient au moins la sagesse d'être habillés, de, de, de prendre les bonnes habitudes d'être habillés, comme les Inuit, leurs partenaires dans la région. Et Josephine a voyagé avec lui. Et toutes les deux, ils ont publié plein de récits après leur voyage. Ça fait vraiment des lectures, mais moi, je les trouve, ça fait des lectures intéressantes. Mais Josephine... Elle a embauché des femmes inougouïdes pour préparer les vêtements. Dans la culture, c'est des femmes qui ont préparé les vêtements pour toute la communauté. Et dans ces récits, Josephine a dit Mais elles travaillent bien, mais il ne faut jamais laisser rentrer dans nos chambres parce qu'elles ont des poux, ces femmes. Elles ne sont pas propres. Et là, elle dit Oh, mais Robert et moi, on prend un petit bain avec un produit qui a l'air bien toxique. Euh, C'était le samedi soir. Mmh. Euh, c'est ça pour éviter ces infestations. Donc, on a cette perception des Blancs, 19, début 20e siècle, probablement assez typique de l'époque, et on a toute la notion que poux égal sale et pas propre insalubre. Par contre, ça change un peu. Si on lit les textes magnifiques de Knut Rasmussen, anthropologue, qui, vient, qui est naissance de, de Groenland, c'est est un métier, lui a voyagé fait plusieurs voyages passé plusieurs années de sa vie avec les Inuits dans la même région et lui en a grâce à lui elle a noté plein de contes et légendes et elle a dit aussi en passant ces gens sont assez propres il fait vraiment un effort pour enlever les poules. les maisons sont assez propres parce qu'à l'intérieur d'une maison Inuit et dans beaucoup de maisons Inuit traditionnelles on est nous dans la maison parce que nos vêtements sont peut-être sales donc en rentre dans le tunnel d'entrée, on enlève le, le vêtement et c'est le gros portail, nous, à l'intérieur. Mais Rasmussen, dans les légendes qu'il a notées et les mythes, on apprend des choses que l'un des mythes de Nougouïdes parle de la course entre le pou et le verre. Qui gagne? Le, premi la, le premier qui attrape l'homme. Je pense que le pou a gagné. Mais c'est intéressant. Il y a aussi des, euh, des mythes qui parlent que le dépouillage était vraiment un geste intime entre un couple. Et il y a des, des mythes qui disent d'une femme qui dit à son conjoint, oui, laisse-moi te dépouiller. Et apparemment, euh, comme j'ai dit, c'était un geste intime entre un couple. Donc, on a une autre vision. On a une vision de Rasmussen en anthropologie qui nous suggère, mais les gens n'étaient pas si sales que ça. Grâce à l'archéoentomologie... Uh, un étudiant qui a travaillé avec moi, dans le tunnel d'entrée de la maison, qu'est-ce qu'on a trouvé? Mais on a trouvé des poux, on a trouvé pas mal de poux, des belles concentrations, mais on n'a pas trouvé dans la partie centrale de la maison où les gens passent. La, la grande partie de leur temps. Ça, c'est l'air de vie. On a les plateformes de couchage. Et ici, parce qu'ils ont vraiment des, des innovations fort intéressantes, on a le tonneau d'entrée et le trappe-feu pour éviter que toute l'air froide rentre dans la maison. Si c'est vraiment des grosses tempêtes, ils ont, ils ont laissé les chiens ici à l'intérieur. Mais normalement, les chiens sont jamais dans la maison parce que les chiens sont sales. Ici, on a trouvé des belles concentrations des poux et des, euh, des poux de chien. Est-ce qu'ils avaient des poux? Oui, mais ils ont vraiment fait un effort pour les gérer. Donc, ils ont probablement laissé les vêtements et s'ils ont dépouillé, ils ont laissé dans le tunnel d'entrée. En plus, si on va creuser un peu plus cette question, on a dans le monde matériel, dans le, la culture matérielle des Inuguites, ils avaient des outils pour enlever les poux. Par exemple, ici, on a cette magnifique photo avec une trappe poux. C'est un, un petit bâton avec un bout de poil d'ours polaire au bout. Et si on sent que des poux piquent autour des jambes, on met nos kamiques à l'intérieur de nos bottes avec l'idée le que les poux qui, montent sur le trappe-poux. Dépouillage. Intéressant. Aussi, ils avaient des peignes. Ça n'a pas peut-être pour vous faire un peigne. On a toute la, la manche qui est décoré, décoré ici. Et on a, les, on a trouve des peignes, ça veut dire qu'il y a un effort d'enlever les poux. Donc, les gens encore n'étaient peut-être pas si sales que ça. Et ça, c'est un exemple archéologique, prise, photo prise avec le microscope qui est dans mon laboratoire, et on a les traces d'un poux. J'ai dit les poux mangent un chose, ils mangent le sang humain. Et avec une collaboration avec notre laboratoire de recherche, on était capable d'extraire l'ADN du sang humain qui était pris à l'intérieur d'un pouls puis on était capable de reconstituer la séquence d'ADN. Donc, c'est assez à Jurassic Park. Ouh, et, puis, et, et les chercheurs qui nous guident dans le projet avaient collaboré à Jurassic Park. 12e, Donc, c'est uh, fort intéressant. Actuellement, c'est un projet en cours avec un de mes étudiants. Et on pense qu'on a la séquence d'ADN de typhus qui était avec les Inigoïtes au 15e siècle, il y a très longtemps, dans le nord de Groenland. Regardez les médias, ce serait une première fois, je pense. Et ça, c'est comme, uh, comme le thème aujourd'hui des heureux hasards. On a des belles surprises, des découvertes des mais si juste on fait un petit test avec ça, on a, a peut-être heureux hasard de trouver quelque chose comme ça qui, qui change un peu notre, notre perception, pas seulement si on revient au pouls, pas seulement sur notre perception de l'autre, on essaie de casser un peu ces stéréotypes, mais aussi on apprend plein d'informations sur le passé grâce à ces petits pouls. Donc je pense que l'affaire est dans la sac ce matin. On a bien discuté de notre question. Uh, comme Jacques a annoncé, je suis archéologue et actuellement en chantier. Je me transforme une heure plus tard ce matin et on a actuellement notre chantier de formation en archéologie en une journée porte ouverte. On est maintenant à Limeloup. Donc, venez me voir le 11 juin, puis ce serait un plaisir. Uh, J'aurais pas de poux ni bibitte avec moi cette journée, garantie. Mais ce serait un plaisir de vous rencontrer une deuxième fois avec mes étudiants sur le terrain. Merci pour votre écoute ce matin.